Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions. C'est l'été, c'est les vacances et je me suis dit, on va se mettre un tout petit peu aux jeux vidéo et à la découverte plus exactement. Alors je me suis laissé tenter par quelques titres et je voulais vous les faire découvrir et pourquoi pas vous donner envie d'y jouer vous-même. Donc trêve de bavardage, cette intro est beaucoup trop longue. Allez, c'est parti. Un petit château mignon, un petit nounours. Il est recommandé de jouer avec un casque. Eh ben, ça tombe bien. Alors, je vous conseille de mettre le vôtre. Ah! Ça commence. Utilisez les flèches pour vous déplacer. Alors, j'ai parcouru un tout petit peu le titre tout à l'heure. Et j'avoue que cet univers est assez spécial. Et prenant en même temps. Alors je vais baisser peut-être un tout petit peu la musique. Petite bande audio magnifique. Ah, un interrupteur. Ça déclenche une caisse. D'accord. Je lâche la caisse. Je lâche une caisse. C'est élégant. Et oui, Starpy, hein, toujours dans l'élégance. Oh, petit jetpack. Alors, c'est un jetpack qui permet pas de monter, mais il permet de planer. Et oui, planer plus haut. Checkpoint. Alors, je sais pas vous ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez un tout petit peu de ce décor, mais j'adore le pixel art, et ce jeu, c'est vraiment du pixel art. Passe en vitesse lumière, Chewbacca. Le centre de recherche Zaera a été envoyé de la station spatiale Zhuyuzhou. Le lendemain de son atterrissage, Zaera demanda le transport d'un échantillon de matière organique découverte sur la planète. À cette fin, le vaisseau Monopola Comet fut envoyé dans la planète Spectrum. Mais avant que le pilote n'ait eu le temps. Ouh, ça va vite, hein? J'ai même pas le temps de lire, ça va vachement vite. Hein, c'est faux. Faut carburer sur la lecture là, faut. Ça met la pression. Chewbacca, on a trouvé une nouvelle planète. Je descends pour voir, tu restes ici, tu surveilles le vaisseau. Allez, c'est parti, arrête de dire des conneries, Starpy. Hop, alors, on va voir par là. Ah, des petits cristaux qui sont affichés en haut à droite, 0 sur 3. Oh, bonjour monsieur! Ah, mais restez, revenez! Hé! Là, il y avait quoi, là? Trop profond! Ah! Non! Non? Ah! On a trouvé un cristal, Gandalf! Allons le jeter dans la Moria. Ah! Allez, salaud. Ce jeu est à base de. Vraiment de pixels, mais c'est magnifique. Hein? Ah, vas-y, pose ta pièce. Allez, vas-y. Bon, petit bonhomme, t'attendu. Quai numéro 5. Le petit cosmonaute, je répète, le petit cosmonaute est attendu, caisse numéro 5. Ah. Ça y est, ça commence les énigmes. Alors, tac, pose ta caisse, petit gars. Allez. Petit ouvrier. Ah, bah tiens, je vais la prendre aussi, celle-là. Hop. Alors je sais pas si vous avez mis le casque, mais en tout cas, c'est vrai que les bruitages
sont magnifiques. Faut pas trop que j'appuie parce que sinon ça va vous gâcher le plaisir aussi. Ah. Ça brille par là. Oh ah, c'est là où j'étais. Level design impressionnant, mon cher. Je vois que vous avez bien travaillé. Hein, c'est simpliste, hein, ces couloirs. Puis ces petites lueurs, ces petites lucioles, je sais pas trop ce que c'est. Un peu le son. J'avoue qu'avec le casque, ça envoie. Et puis après, à l'enregistrement, j'ai peur que vous n'entendiez pas ma voix, étant donné que c'est la première fois que je m'exerce à ce genre de choses. Sympa les petits lance-flammes en bas là. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Allons voir ça. Spock, nous avons trouvé une nouvelle espèce. Je répète, Spock Enterprise, vous me recevez? Oh. Oh non, il est mort. Bio ingénieur, enregistrement numéro 1. Un autre échantillon de la matière organique inconnue trouvé. Une analyse approfondie est requise. Y a un petit côté alien hein, quand même. Hein. Allez, c'est parti. Souple. Petit cosmonaute. Ah. Ah, mais. Ah non, j'ai cru que c'est là où on avait vu notre petit personnage tout à l'heure. Généticien, enregistrement numéro 2. Mission échouée pendant l'expérience. L'échantillon numéro 73 a échappé au confinement. Eh oui, on peut pas monter avec le jetpack, hein. Juste planer. Planer plus haut. J'ai déjà fait tout à l'heure, celle-là. Allez. Oh, point de contrôle. Point de contrôle en général où j'entends les flammes en dessous. Non, c'est les flammes du Mordor. C'est un peu on va essayer ça. Ouais, on dirait les cristaux dans Zelda un peu. Vite, Link de l'espace, rapporte donc ta caisse sacrée à Kamendorf. Squalala! J'arrive! Squalala! Un peu de sérieux. On a changé de. Là, on se retrouve dans une espèce de téléporteur. Ah, épisode 2, lac de lave. Admirons un peu ces décors. Alors, c'est vraiment minimaliste, hein, mais très joli. Je me répète peut-être. Hein. Géologue, enregistrement numéro 3. Nos calculs étaient inexacts. Les recherches géologiques que nous avons menées ont provoqué un énorme tremblement de terre. Tatatin, mais que se passe-t-il dans cet univers? Ah, checkpoint. J'échapperai vivant de cette planète. Sacré pont. Ingénieur, enregistrement numéro 4. La matière organique altère des formes de vie au niveau génétique. Les tremblements de terre ont libéré des mutants confinés. Ouh. Des mutants
rigole pas. Je vois que là-haut ça brille un peu. C'est quoi ça? Ah ouais! Quoi là là? Gamendorf sera content. Ah non, Gamendorf, non, c'est l'ennemi. Nous pourrons battre Gamendorf grâce au. Qu'est-ce que c'est ça? Attends, attends, attends. Ah, on peut pas lui, c'est dommage. Ouais, regarde, j'ai une animation sur 3 frames. Ouais, mais c'est pas grave parce que je sens les impacts avec l'écran qui tremble. Là, ça me rappelle Oddworld un petit peu. L'Odyssée d'Oddworld sur PlayStation. Comme contrôle. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui va m'arriver là? Qu'est-ce que me pense-t-il? Oui, qu'est-ce que me pense-t-il? Ouh, j'ai entendu un bruit. Oula. Non, 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 non. Ouf! C'est la première fois qu'on meurt, je crois. Ouf! Deux fois qu'on meurt. Continuer. Oui, je veux continuer. Je suis pas sûr. J'ai dit c'était trop brutal. Ah là, je te nique, là, je te nique. Non, 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 non. Oh, le bâtard. Wow! C'était quoi ça? Ah, en tout cas. Ah, c'est calculé à la seconde près, hein, faut pas se tromper, hein. Ah, tranquille, je descends les petits escaliers. Qu'est-ce qui se passe? Petite musique apaisante. Un cristal. Qu'est-ce que c'est? Agent de sécurité, enregistrement numéro 6. Je dois atteindre l'armurerie. Toutes les portes ont été verrouillées avec une clé spéciale. Je l'ai trouvée. J'espère qu'elle va marcher. Ah, c'est mieux. Moi aussi, j'espère qu'elle va marcher pour le coup. La carte rouge. Petit côté Doom. Rien dans le mur. Allez, descends. Voilà. Petit labo scientifique. La carte rouge sur la porte rouge. Ça marche. Tu m'auras pas rapport. Allez, c'est parti. Oui, bonjour. Non, je ne. Carte bleue requise. C'est quand même bien fait, hein. Ouh! Bon, voilà. Perte d'inattention, hein. On se dit, il n'y a pas de danger. Mais si, il y a des dangers partout dans le jeu, en fait. Voilà. Hein, des petits pixels qui tombent. Oh mon dieu, non, qu'est-ce que c'est? Technicien d'entretien, enregistrement numéro 7. Nous rencontrons des problèmes avec l'ascenseur. Le plafond ne peut plus supporter le poids et risque de s'effondrer. Des réparations sont requises en urgence. Ah bah mon pauvre, si t'étais en dessous à ce moment-là, oui effectivement, carte bleue. D'accord, point de contrôle. Toucher deux fois B pour faire un super saut. C'est un super saut. Il compte de la tête. Oh, vas-y. Alerte, alerte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout l'écran qui tremble et tout. C'est affreux. Ah, ça va. Ah, je prends l'ascenseur. Non, je fatigue pas mes super pouvoirs maintenant. Foreuse. Vas-y, fort. Qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, j'ai mis le cristal. Là, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, on creuse pas là. Qu'est-ce qui se passe?
avoir du feu en dessous. Allez, et il l'a posé. Il a posé la foreuse. T'as raison, bonhomme, pose la foreuse. C'est risqué ici. Alors, petit monde. Allez. Point de contrôle. Pas question! Vous ne mourrez pas! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il dit pas question? Ok, il y a de la lave qui monte. Ok. Cours! Cours, Forest! Cours! Dépêche-toi! Monte! Monte! Allez, bâtard! Allez, bâtard! Allez, enculé! Excusez-moi le terme, mais. Je l'ai pas vu celle-là. Je l'ai pas vu venir, comme il dirait l'autre. Disons que je l'ai pris en plein dans le fion quand même. Allez, allez, monte, monte, monte. Allez. Allez, double saut. Non, double saut. Allez, double saut. Non, oui, non, oui. Monte. C'était chaud, hein, là. Ouh, les petites bêtes. Ah, elles se sauvent aussi. Ah, d'accord, vas-y, c'est à moi de continuer tout seul, ok. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai vu le cristal, et nous sommes en enfer. Bienvenue dans l'épisode 4. Enfer, welcome in hell. Mine de la planète Spectrum. Donc, nous sommes dans des mines. Okay. Ça commence bien, ça commence bien. On contrôle. Ok. Ok, ça passe. Ok, ça passe. Faut monter. Ok, ça passe. Et les cristaux, ils sont où? Les cristaux, là, ils sont où? J'ai la musique, là, c'est une petite mélodie. Je vais taire un petit peu. Ah. Avec combien de cristaux, j'ai pas vu. Il est pas bon lui. Il m'a fait peur. Et c'était quoi ça? Non. 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 Il pue là, il n'est pas beau. Regarde, ils font des fausses plateformes, quoi. C'est quoi le jeu? Oui, bonjour, nous avons inventé les fausses plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, tu crois marcher sur un truc, et puis en fait, bah non, tu marchais pas sur un truc. J'aurais bien exploré par là-haut. Dans la fonderie, je pense, de la mine. Ça, c'était pareil. Ça, c'est l'embuscade. Hein. Ça, c'est... Oui, bonjour. Je suis programmeur de jeux vidéo et je t'emmerde. Oh, deux fois. Ah, t'as vu, il y a le 1 et il y a le 2. Allez, concentration, motivation. Spock Enterprise. Je pense que la cheminée va s'écrouler là. Mineur. Enregistrement numéro 8. Activité sismique anormale détectée. Nos fouilles ont provoqué des éruptions volcaniques. Ah bah ouais, je m'en suis pris deux dans la figure. Merci. Remercions ces charmants mineurs tous ensemble. Eh oh, eh oh, t'as fait du sale boulot. Eh oh, eh oh, oh putain. Oh non, jetpack. Ah, j'ai plus de jetpack, ah oui. Ah, effectivement. J'ai plus de jetpack. On peut pas éviter ce passage. Alors, ok. Ok, mon
jetpack, j'ai pas mon jetpack, c'est pas grave. Petite flamme, on saute, on saute, on saute, on saute. Allez, vas-y, vas-y, courage, tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il pouvait le faire. Il pouvait. Il a pas voulu. Mon jetpack. C'est avec l'écran qui tremble, c'est pas facile. J'appuie pas sur le bouton, c'est pas bien. Regarde, c'est pas possible, je suis en retard, regarde. Ouais, tu peux le faire, je savais que tu pouvais le faire, je savais que t'étais un champion, mec, vas-y. Te laisse pas emporter par l'ascenseur. Quelle tension. Épisode 5, la station Calypso. Centrale hydroélectrique de la planète Spectrum. Centrale hydroélectrique. Ah, alors j'ai plus mon jetpack. Il m'a volé mon jetpack, le salaud. Touchez B pour monter. Ah, d'accord, c'est moi qui commande. Je suis le patron. Ah, là, d'accord, approche, c'est moi aussi, c'est moi le patron. Allez, on va au boulot. Alors, on va inspecter cette centrale hydroélectrique. D'accord. C'est pas parce que t'es aux commandes qu'il faut te... Hein. Ne baissons pas la vigilance. Les accidents sont courants. Mais comment je fais, là? À Kebab City. Parce que... Un truc hydroélectrique avec des fonderies dans tous les sens. Ils sont sympas. Là, je sens que ça va... Voilà. De la flamme. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on monte. Allez, on est arrivé. D'accord. C'est pas par là. Pouce bleu. Allez, suite de 4 couleurs, voyons. Voyons. Pourquoi tu penses, Starpie? Eh ben, c'est resté en rouge quand même. Allez, c'est parti. On vient nous faire un petit coup de saligo. Les saligo. Oh. Je sais pas du tout à combien de temps on en met dans l'épisode. Je trouve que c'est très prenant comme jeu. Extérieur, là on est vraiment on est vraiment surpris à chaque fois que je tombe sur un passage tel quel. Faut se méfier, c'est pas un mode runner, c'est... Et, ah bah non, il y avait rien là, il y a des petits rejets d'électricité qui ma foi faut... allez c'est parti. C'est parti. J'ai plus de jetpack. Ah, je le ressens, hein, j'ai plus de jetpack. Je t'ai collé. Ah, on va plonger. Ah, j'ai plongé là. Qu'est-ce qu'on a ici? On dirait qu'on voit ses yeux là, dans l'eau. Allez, allez. Plonge petit avec une petite mèche en reflet, je sais pas ce que c'est. Plonge petit mec. C'est parce que Ah, pour le coup ça ressemble plus à une centrale hydroélectrique là maintenant du coup. Qu'à une centrale. C'est quoi ça, ce petit échantillon d'or là? Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Oh. Oh. Je sais pas ce que j'ai fait. On avance, on avance. Un sur un. Ah ben voilà.
Hydrologue. Enregistrement numéro 9. Nous avons dû inonder la partie de la mine pour éliminer ces bêtes. Bah, pardon, t'es bien. En tout cas, t'as réussi. Temporal, vous avez réussi votre mission. Votre famille sera fière de vous. Salut. Une édition électrique là. Allez. Allez, allez. Je veux plus rien. En tout cas, c'est très 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 joli. Ah. Il m'a dégagé au plafond de façon radicale. Mathis, c'est pas par là. Game design, hein, encore une fois. Je marche sous lui. Donc, où est sa combinaison? Peut-être. Magnifique chasse d'eau. Oui, dis donc, j'ai passé là. Tu vas me faire écraser par l'ascenseur, Angel. C'est un film d'horreur, ça, l'ascenseur. S'enfermer dans un ascenseur pendant presque une heure et demie, en fait, pas le temps du film. Épisode 6, Plasmalite. Entrepôt de la planète Spectrum. Oui, hein, ce serait étonnant qu'on soit sur une autre planète. Oh, c'était mon copain de tout à l'heure. Oh, il a disparu. Je m'attends à voir Chewbacca à tout moment. J'entends quelqu'un qui dort. Dans des canalisations. Il y a un monsieur qui dormait. Oh, je l'ai réveillé, il est parti. Reviens, petit bonhomme. Je ne te veux pas du mal. Reviens. Peut-être c'est toi qui me veux du mal. Je l'entends ronfler, c'est magnifique. Wow. Qu'est-ce que... Un téléporteur. Je me suis fait téléporter. Ouh. Un écraseur de moi. Ouh. Ouh, je peux pas passer loin. Boum. Vas-y. 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 Qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est une grosse bête. Je sais pas si vous voyez bien. Ben voilà. Je voulais simplement montrer la bête aux téléspectateurs, monsieur le jeu. Je me suis fait surprendre. Tu me prends pas deux fois, salope. Pourquoi, madame?
trop rapide, j'étais un petit peu pressé. Des ascenseurs. Il y a beaucoup d'ascenseurs, je trouve. Un petit éclair quand ça change de sens quand même. Ça, je sens qu'il va m'arriver une poule. Ça va. Il y a beaucoup de mystères hein, quand même plein, là, sur ce petit monde. C'était à prévoir. Ingénieur électricien. Système d'alimentation hors service. Redémarrage du module nécessaire. Ok. Ok. Il y a quelqu'un qui disait tout ce qui monte redescend. Bah là c'est plutôt tout ce qui redescend, bah remonte. Oui. Voilà. Bah, tout ce qui monte redescendra. Pas certainement. Vous avez écrasé pas le plafond, non. C'est le moment de concentration. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais me faire éclater. Je l'entends encore ronfler. Juste au-dessus de moi. Et des petits œufs. Les œufs d'alien. Merci. C'est le doyen, il me laisse passer. Alors. On ne voit rien. Ah, je suis dans l'eau. Ok. Oh. Non, pas vraiment. Let's go, j'aime. Il y a toujours ces petits yeux verts là, bébé. Oh, je suis dégoûté. Oh, j'ai fait me faire manger. Oui, Starpy, hashtag. Hashtag chance, hashtag cocu, hashtag ce que tu veux. On va y aller doucement, s'il y a encore ces grosses bêtes là dans l'eau aussi. Je ne vois. Je vois rien. J'ai éteint la lumière chez moi parce que je voyais rien. J'avais un gros reflet sur l'écran. J'entends ronfler. Ah, fin du niveau. Épisode 7, centre de contrôle. Là, oui. Ah d'accord. Ah, 8 sur 9. Ah, il me manque un cristal. Alors, quel est le cristal que je n'ai pas eu? Ah, il y avait une bête là-haut. Ah, elle se fait dégommer par le laser. Et oui, c'est pas la dernière. Ah. Ah bah, ce serait dommage de finir le jeu avant d'avoir la dernière. Alors, il me semble que je pouvais changer de niveau si je... Voilà, si je fais ça. Retourner, voilà. Alors...
Et on va regarder lequel qui nous manque. Ah, c'est dans celui-là. Enfer. Allez. Alors peut-être je ferai un jump cut directement sur la fin, à ce moment-là. Peut-être je vous laisserai. Et ben voilà. Il était là. Tout simplement, bien caché dans un. Allez, on va mettre le dernier petit cristal en place. Alors, il était bien caché dans un mur. Évidemment, on le trouvait celui-là. Hein. Au petit bonheur, la chance. Waouh. Ceux qui descendent, c'est trop la classe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, je vais pas faire celui-là tout de suite. On va regarder d'abord la première fin. En général, ce genre de jeu, ouais, je connais un peu le principe de base. Monte dans le vaisseau, je pense que j'aurai pas la même fin. Allez, voyons voir ce que Bibi Joe nous apporte. Vas-y, mon petit Spock. Épisode 9, les derniers efforts. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah oui, mais j'ai plus mon jetpack. Oui, il me manque déjà. Ah. Ça sent le chaos par là. On voit un peu des impacts là derrière. Oh, il y a une créature toute morte. Allez. Zut! Ah. Ah bah, tu t'en es pris deux dans le fion. J'ai de votre côté. Et vous? Vous venez de la comète? Oui, mais que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Pas le temps de t'expliquer. Ravitaillez la capsule en combustible et envoyez-la à Soyouz 1. J'ai aussi un bug. Ah, non, il est mort. Qu'est-ce qui contrôle atteint? D'accord, ok. Oh, qu'est-ce que c'est? Six cinquante, oula, j'ai pas trop de temps là. 100%. Le vaisseau, attends-moi, le vaisseau est parti sans moi. Vaisseau, reviens. C'est moi qui cours, ça? Vous avez trouvé les 9 cristaux. Ouais, mais j'ai triché parce que je vais aller en chercher un autre. Je suis revenu en arrière avant de venir te voir. Félicitations. Ouais, merci. Merci, caporal. Je n'ai fait que mon travail, vous savez. À suivre. Bah, j'espère, hein. Qu'il y aura une suite. Temps passé. 39 minutes. Ah, bah voilà. Fait un bel épisode. 39 minutes. Je suis mort que 18 fois. Bon. Je vous ferai don du générique. Quoi qu'on a une très belle musique. Si je me tais. Très belle mais très courte. Alors on va aller voir ce vaisseau. Allons voir le vaisseau de l'enfer.
t'avais dit que je reviendrais. I'll be back. Et là, la petite créature qui a explosé, c'était trop cool. Épisode 8, sortir. Attends, l'épisode 8, d'accord. C'est comme Star Wars en fait un peu. D'accord, faut que j'appuie au bon moment, ok. Ok, c'est un autre gameplay ça. J'ai pas besoin des touches avancées. J'ai entendu un bruit malsain là. L'écran s'est mis à trembler. Oula, oh oui, il y a un... Effectivement, c'est malsain ça. Oh, il est pas gentil lui. Sortir. Ah, faut que je sorte le vaisseau, c'est ça. Je vais mettre en gare. Je vais pas le faire lui-même, caporal. En plus, j'ai même pas le permis. Je vous avais prévenu. J'ai cassé des trucs. Là. Il est méchant là. Je me fais gentiment attaquer par un ver de terre, caporal. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, donne-lui du vermifuge. Ouais, c'est dans Dune, c'est ça, ils auraient dû tous les vermifuger, le problème aurait été réglé, il n'y avait plus de ver des sables, c'était tranquille. Ah, quel fléau, ça, le ver des sables. Ouais, ça fait un petit côté Dune, un petit côté rétro quand même, hein, malgré le pixel art. Qui Starpit n'est pas concentré, malgré le pixel art, je trouve magnifique là d'ailleurs, avec la lave et tout. Petit côté rétro quoi. Hein, vaisseau futuriste carré. Très bien modélisé, cependant. Je comprends qu'il n'est pas intégré dans le jeu celui-là. Ils se sont dit personne va le passer, personne verra la fin. On le met ailleurs en jump bonus. Le verre des terres, ils se sont dit ça, personne réussira à passer ce truc là. Allez, il y a du challenge, je relève le challenge. Moi et mon vaisseau, allez Chewbacca, vitesse lumière. J'aime pas ça quand on tourne dessus. Et oui, tout à fait Thierry, c'était le rebond fatal, il s'est pris... Présenté par Starpy Productions.